Bonjour Lilou. Bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ces jolies fleurs? T'as allé les cueillir dans le jardin? Je les ai trouvées là à côté de moi. T'as trouvé des jolies fleurs à côté de toi? Oui, c'est toi qui les as accueillies. Ah non, c'est pas moi qui les ai cueillies, non, non. Oh, c'est qui alors? Bah, je sais pas moi. Ça doit être quelqu'un qui t'aime bien. Oh, je suis contente. Elles sont belles, elles sont bleues. Tu sais comment elles s'appellent? Oui, ça s'appelle des myosotis. Dans pas longtemps, il va y en avoir beaucoup dans le jardin. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Bah dis donc, je me demande qui est-ce qui t'a offert ces fleurs. Ben, je sais pas moi. Ça doit être quelqu'un qui veut te faire plaisir. Mais tu sais, elles vont faner, je voudrais les garder parce que je suis heureuse d'avoir eu des fleurs, elles vont faner, alors comment je fais? Tu veux les garder? Eh bien, moi, je vais te montrer comment on fait pour garder des fleurs. Alors, on va prendre un gros livre. Vraiment, le plus gros que j'ai trouvé, rien. Oh là! On va l'ouvrir n'importe où. C'est pas d'important. Mais on fait pas de la lecture. Non, on fait du confinement de fleurs. On prend une feuille. On va mettre tes fleurs là. Tu vas enfermer mes fleurs? Oui, je vais enfermer tes fleurs pour les garder. Tu vois, c'est ça le confinement. Hop là, je mets une autre feuille par-dessus. Oh là là, t'es sûre? Oui, t'inquiète pas. Oh, mes jolies fleurs! Mais oui, mais comme ça, tu les garderas très longtemps. Il va falloir t'en séparer un petit peu, mais ensuite, tu pourras les garder très longtemps. Tu vois, là, elles sont coincées dans le livre. Et dans quelques jours, on regardera et je te garantis que tu auras gardé tes fleurs pour toute la vie. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, ça sert à ça, hein, les fleurs aussi. Tu sais comment ça s'appelle quand on fait la même chose avec plein de plantes et plein de fleurs? Non, je sais pas. Ça s'appelle faire un herbier. Oh, j'aimerais bien faire un herbier avec les enfants. Ah oui, ça serait une bonne idée. Ils pourraient ramasser des fleurs et puis faire comme tu dis. Oui. Ou des plantes. Oui, c'est une bonne idée. Bon, allez, on fait la gymnastique des doigts. J'ai vu que tu avais préparé des trucs. Oui, j'ai préparé des trucs. Parce que maintenant, on commence à être super fort. Alors, j'ai préparé une feuille. Alors, ici, il est écrit... difficile à lire. 1. A-I-N, ça fait 1. Alors, main, ça on peut le lire. Droite, main droite, c'est celle-là. Et ici, il y a encore écrit main, G. A-U ensemble, c'est le O de jaune. Gauche, main droite, main gauche. Et ici, tu as les numéros des doigts. Qui me gêne un peu. Tu as le numéro des doigts qui vont faire de la gymnastique. Alors, je commence par la main droite. Alors, moi, je te dis 1, 1, 3, 3, 2. Alors, je recommence. 1, 1, 3, 3, 2. Il faut que tu fasses attention de bien faire marcher tes doigts sans... Tu sais, là, sans rester des doigts en l'air. Oui. Ah ouais, c'est bien, là. Ensuite. 2, 2, 4, 4, 3. 2, 2, 4, 4, 3. Je recommence. 2, 2, 4, 4, 3. Je recommence. 2, 2, 4, 4, 3. Je recommence. Encore une fois. Ouais, c'est bon, tu arrives. Alors, ensuite. 3, 3, 5, 5, 4. 3, 3. 5, 5, 4. Il est plus dur, hein? Oui. 3, 3, 5, 5, 4. Encore. 3, 3, 5, 5, 4. 3, 3, 5, 5, 4. 3, 3, 5, 5, 4. Oh, le dernier, il est rigolo, il descend. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oui, celui-là, je sais bien le faire. T'essaies de tout faire? Ouais. 3, 3, 2. 2, 2, 4, 4, 3.
5, 4, 3, 2, 1. Ouais, pas mal. Tu recommences. 1, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Je me demande pourquoi tu as choisi ces numéros. Ouais, ça, c'est une surprise. Je le dirai demain. Tu le diras demain, la surprise? Oui. Pour l'instant, je vais faire la main gauche. D'accord? C'est pas la même chose, la main gauche? Bah non, c'est pas la même chose, puisque la main, elle est pas dans le même sens. Et je comprends pas. Ben, les mains, elles sont pas dans... Tiens. Ronron, tiens. Voilà. Tiens-toi, Ronron. Les mains, tu vois, quand on a bien dit, quand on fait le 1 à la main droite, on fait le 5 à la main gauche. D'accord? Donc si je fais 1, 1, 3, 3, 2, là je vais faire 5, 5, 3, 3, 4. Ah ouais, d'accord. C'est compliqué en fait. Hein. Ah bah, la gymnastique des doigts, c'est fait pour se concentrer. Hein. C'est pas fait pour être facile. Hein. Bon, alors tu fais la main gauche? Oui. Alors, ça commence par 5, 5, 3, 3, 4. 5, 5, 3, 3, 4. Encore. 5, 5, 3, 3, 4. Et fais bien les liaisons, hein. On n'oublie pas que tu marches avec tes doigts. Hein, faut pas oublier ça. Ça te va, là? Oui, c'était bien. Alors ensuite, 4, 4, 2, 2, 3. Non. Le 4, il est paresseux, hein. 4, 4, 2, 2, 3. 4, 4, 2, 2, 3. 4, 4, 2, 2, 3. 4, 4, 2, 2, 3. Alors, je suis là. 3, 3, 1, 1, 2. 3, 3, 1, 1, 2. Il va être facile. 3, 3, 1, 1, 2. 3, 3, 1, 1, 2. Ouais, c'est bien. Le dernier, tu sais, il descend là. T'es... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, t'essaies de tout faire? 5, 5, 3, 3, 4. 4, 4, 2, 2, 3. 3, 3, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Encore? Tu arrives les mains ensemble? Ouais. Faut s'entraîner les mains ensemble, c'est pas facile. Faut bien connaître chaque main et ensuite on peut se mettre à faire les mains ensemble. T'as vu ça un peu? Ça m'a l'air rudement difficile. Ah, c'est pas facile, oui. Faut s'entraîner. Faut s'entraîner. Ou alors tu t'entraînes. Demain tu nous joueras au piano pour qu'on ait la surprise. Oui, demain je vous jouerai au piano, promis. Et toi, Ronron. Qu'est-ce que tu fais, Ronron? Tu sais, Ronron, il y a quelqu'un qui m'a donné des fleurs. C'est toi qui m'as donné des fleurs? Je crois pas que ce soit Ronron qui t'ait donné des fleurs. Elle est cool, tu sais. Elle va nous faire encore un petit peu de gymnastique. Oh, oui. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce que...